dark side. I wanna be your left hand man. Ah oui? Quel auteur? Il va avoir la grosse chute. Ah, quand on va aller à Niagara Falls? Tu veux sauter? Mais non, faut pas sauter dans l'eau. Non, pas dans l'eau. C'est sauter où il y a les lasers. Comme s'il y a un laser là. Oh, quand on a vu plein de lasers là. Oui, c'est vrai. C'est l'eau belle Amanda. Mais les grands parents, ils ont... Parfait, on se brosse les dents. Allô tout le monde, bon matin. Je suis avec Anthony qui vient de s'ouvrir son chip préféré pour sa fête. Non. Des chips à 10h matin. Dans le fond, il est 10h27. Et je m'en vais pour mon rendez-vous de laser. Fait que ça fait genre 10 semaines que je n'ai pas été. Normalement, il faudrait que je vienne plus aux 8 semaines, mais j'ai comme passé tout droit. Fait que je fais mon laser, là, je fais comme tout en même temps, là, tout dans un rendez-vous. Fait que aisselle, bikini et les jambes complètes, sauf que j'ai une cuisse en moins. Un devant de cuisse en moins à cause de mon tatou. Puis Anthony me sait tenter de m'accompagner. Mais en fait, il attend là. Camilla, elle va dormir. Elle dort, en fait. Après, on va aller au resto. Oui, on va aller à Sushi à la maison. On va aller là. Ce soir, on va aussi à Montréal pour sa fête. Fait qu'Anthony a 31 ans aujourd'hui. Mmh. C'est la fête de sa maman aussi qui a 46 ans aujourd'hui. Midi, j'ai fait mon laser. Je suis contente parce que là, si... J'ai fait 10 semaines, fait que c'était un peu trop. 6 semaines, c'est l'idéal où je suis rendue. Fait que ça donnerait comme la semaine du 15 juin. Là, la prochaine fois, il faudrait que j'y retourne. Fait que si j'expose pas mes jambes d'ici là, je pourrais faire une autre séance de jambes avant l'automne. Parce que l'été, il faut pas que tu exposes les parties que tu fais du laser. Donc, bref, l'Anthony est rentré faire pipi, il avait envie. Puis là, ben c'est ça. Je pense qu'il a envie de manger des sushis. Mais. Le beau bébé! Ça? Tu peux prendre les deux? Si. Oh, ouais, je suis sûre. Tu peux peut-être prendre une moitié d'air. Vas-y. Oh mon dieu! Tête! Je viens de me réveiller d'une petite sieste. Écoutez, quand on est arrivé, là, Camilla dormait dans la coquille, puis j'étais comme. Oh mon dieu! J'ai endormi comme 10 minutes avant qu'on arrive. J'étais comme. J'aimerais tellement ça que j'entends vraiment qu'il y a le temps. Qu'elle continue de dormir là en la rentrant. Sauf depuis qu'il n'y a plus le couloir, genre. Son sommeil est comme. Ah, je me demandais c'est quoi ça, elle qui est partie avec le piano. Son sommeil est vraiment pas pareil. Genre souvent elle se réveille déconfortable le tout. J'ai tellement endormi là. J'étais comme. Ok, je me couche, genre. Mais je suis vraiment gagnée. Oh my god. Fait que je me suis étendue. Là, elle vient de s'éveiller, mais genre, il est 2h27. Fait que je pense avec j'ai pu dormir genre 40 minutes. Fait que ça a vraiment fait du bien. Pour vrai, je vais arrêter d'en parler parce que je change genre 10 dans chaque vlog. Je suis vraiment, 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 vraiment fatiguée parce que c'est des minimales. Genre, elle se réveille aux 2h pour boire, là, comme. J'ai l'impression que c'est vraiment juste pour. Oui. Pour du réconfort, là, elle veut se coller pis tout. Mais genre, j'ai pas un bébé naissant, là. Et à ce stade-ci, tous mes autres enfants, genre, je travaillais, fait que. Pis c'est pas vrai, là, que je me réveillais autant la nuit. Genre, je me réveillais comme une fois, mettons, pour leur donner du lait, peut-être en général. Je suis toujours allaitée à la demande, fait que je peux pas vous dire exactement, là. Mon dieu, je crois pas ma gueule. Fait que c'est l'enfer pour vrai. Fait que là, je viens de recevoir ma commande que j'ai achetée chez Clément. Ça valait tellement la peine. C'était 30% de rabais sur la deuxième paire de sandales. Il y avait quelques petites exceptions parce qu'il y avait une sandale que j'avais choisie pour elle qui marchait pas. Genre, la marque marchait pas. Les natives, ils marchaient. Fait que tu sais, moi, c'est mes 4 paires à acheter, là. Je les ai tout de suite achetées. J'ai économisé genre 55$, je pense. Fait que là, ben, premièrement, Amanda, je voulais, tu sais, moi j'ai une tonne de natifs chez nous. Il y a juste ceux de l'été passé que les gars ont mis, qui étaient ceux de l'été d'avant que ça leur avait fait que la semelle est comme finie.
Mais je les ai gardés pour pouvoir essayer les grandeurs à maison parce que je les ai toujours commandés en ligne. Puis toutes mes autres natives, je les ai encore. Fait que là, Amanda, elle a des natives d'il y a 2 ans. À un des gars, en tout cas, je sais pas quel gars qu'ils avaient, mais c'est des noirs. Fait qu'elle a des natives noires qui sont encore toutes beaux. J'ai juste à les nettoyer, tu sais. Fait que, elle, j'y ai pris. Elle voulait des sandales rose flash. C'est des Skechers. C'est des 10. Là, c'est ça. J'ai tout mesuré leurs pieds. Puis, je vais essayer ça quand ils vont arriver. Là. Fait que, c'est des sandales comme ça. Mais genre, il y a le truc en arrière. Ils sont genre roses, comme opalescents, si je pourrais dire. Tu peux voir, là. C'est vraiment cute. Puis ça dit que c'était léger. Oui, c'est hyper léger. Fait que mais c'est quand même genre souple. C'est pas rigide, genre. Puis ça s'attache avec un... Tu sais, c'est un velcro, là. C'est vraiment belle. J'espère vraiment que ça va lui faire. Fait que moi, c'est ça. J'ai mesuré leurs souliers, leurs pieds. Puis j'ai été comme... Ce qui était pas le plus juste, mais un petit peu plus grand. Mais 10, c'est pas mal la grandeur qu'il porte, là. Comme les natifs... Qu'il fait, c'est des 10. Je vais vous montrer ça à Camilla. C'est ceux qui ont coûté le plus cher. C'est des Geox. Mais là, c'est parce que je les ai plus, ceux de Camanda. Elle avait sa première été. Fait que je pense qu'ils étaient vraiment usés parce que à cet âge-là, ben, ça apprend à marcher souvent. Fait que c'est genre leur premier suivi. Ah, je suis vraiment contente, par exemple. Parce que ça disait, c'est ça que, tu sais, là, je voulais vraiment, ça paraît pas, là, mais une semelle qui est comme souple pour marcher. Puis moi, dans le fond, tu sais, dans la maison, elle va être toujours du pied en arrière. Elle va être toujours du pied. J'ai du tapis gazon en arrière à ma cour en entier, là. Fait que, mais, tu sais, dès qu'il faut sortir, il faut qu'elle ait quelque chose dans les pieds, là. Fait que j'ai trouvé cute parce que il y en avait des roses, mais c'est ça, Amanda, il était rose, puis quand que ça fait juste traîner, apprendre à marcher, oui, ben ça devient tout crotté, là. Fait que j'ai pris c'est des brunes, mais regarde, je le trouvais vraiment cute. Fait que voilà, il était quand même cher, mais c'est ça, j'ai pris la taille 20, je pense que c'est la plus petite taille. Je vais y essayer ça, puis c'est un velcro, deux velcro. On va t'essayer ça, bébé. Regarde, bébé! C'est beau! On va pas le prendre. Puis les gars, ben, je leur ai fait choisir des natives. Eux, dans le fond, moi, j'achète pas de sandales. Normalement, c'est la première année que j'achète des sandales qu'Amanda a le prix, là. Puis c'est à cause que c'est native et ils font encore. C'est ça qu'ils mettent. Ils mettent pour aller jouer au jet d'eau, ils mettent pour aller jouer dehors. C'est ça qu'ils ont en tout temps. Fait que Marie adore Star Wars. Il y avait ce modèle de Star Wars. Fait que un bonhomme différent de chaque côté. Son genre gris pâle, très pâle. Parce que le bout est blanc. Fait que vous pouvez voir là. Il capotait. Fait que là, lui, j'ai pris des 11. Tu sais, je sais que ça va grandir. Enfin, j'avais des 11 de Jaden comme full usé à la semelle. Là. Oui! Puis là, Jaden, j'ai pris des 13. Et il a choisi blanc. C'est cute. Moi, je suis vraiment contente, là, parce que, genre, blanc, ça fait avec tout, là. Mais je m'attendais pas à ce qu'ils prennent des blanches. Fait que voilà. J'essaie ça à Camilla. Fait que les gars, ils vont pouvoir essayer quand elle va arriver. Amanda, non, parce qu'on va aller la chercher direct à la garderie. Alors, ça m'a vraiment fait dormir un 40-45 minutes, là. Oh my god. J'ai dormi collée en tenue. Ouais, fait que j'ai essayé ça, puis je montre. Bébé! Elle s'est toute salée les cuisses en mangeant. Fait que regardez, je suis contente. Dans le fond, là, son pied va grandir, là, d'ici cet été. Fait que c'est de même. Genre, c'est son pied va grandir, là, un petit peu. Ça va être correct? Ça va faire jusqu'à la fin de l'été, un beau bébé! Wow! C'est-tu beau? Oui! En train de jouer dans les tiroirs. Wow! Camilla, tu montes-tu que tu fais des beaux bisous? Camilla, regardez-la, elle est trop cute. Des bisous? Wow! Elle est tellement cute. Elle est tellement colleuse, pour vrai. Genre, si je dis de me faire des bisous, d'habitude, elle m'y donne. Je fais des câlins. Un beau bébé!
Wow! So belle! Beau bébé! J'ai eu une fois une belle nouvelle, je suis vraiment contente. Ça fait, je pense, genre 11 mois, bientôt 12, que j'ai comme un petit projet secret. Je trouve ça... C'est fatigant quand le monde dit ça, un projet secret, parce que tu veux savoir c'est quoi, là, mais... Genre, j'ai eu une confirmation aujourd'hui que ça va avoir lieu super bientôt, fait que dans moins d'un mois. Alors, j'ai vraiment hâte que vous sachiez c'est quoi, puis je suis sûre que vous allez trouver que ça me ressemble vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Fait que j'ai vraiment hâte, fait que j'ai une confirmation, j'ai des courriels à envoyer parce que je schedule quelque chose très bientôt. Fait que c'est une autre chose que je voulais vous dire. Là, la fête à Camilla, elle arrive à grands pas. Et hier, je vais vous montrer, ok, on a commandé sa guirlande de ballon. Fait que là, le thème de sa fête, ça va être les marguerites. Fait que regardez, c'est ça, ça s'appelle des marguerites, il me semble. Voilà. Fait que ça va être la guirlande de ballon. Puis là, je check sur le site de Zara, je commande, faudrait que je commande, tu sais, une petite robe, là, parce que tous ses vêtements, c'est tous les vêtements qu'elle m'a demandé avec elle. Fait que c'est ça, je voudrais qu'elle aille comme sa petite robe de fête, et regardez sur quoi je suis tombée, sérieux, genre, une robe, elle est comme toute en, vous voyez, comme tricot, là. Oh mon dieu, elle va être tellement cute là-dedans. La plus petite grandeur, c'était 12-18 mois, fait que j'ai pris ça, je savais pas si prendre ça au 18-24, mais en même temps, j'ai... Tu sais, c'est comme dans un mois, là, ça fait. Fait que je voulais pas que ça soit trop grand non plus, là. Fait que ça va être trop cute. Puis, j'avais déjà piné sur... attendez, elle essaie de prendre mon agenda. J'avais déjà piné sur Pinterest que je voulais faire ça. Je trouve ça tellement cute, là. Puis, j'ai vu que la journée, elle faisait ça, justement. Elle est full créative, je trouve. Comment qu'elle fait ses projets, là. Fait qu'elle faisait ça sur... sur YouTube. Puis, c'est ça. Je trouve ça c'est tout le temps beau, ce petit projet qu'elle fait, là. Fait que voilà. Ça aussi, c'est quelque chose que je voulais faire. T'es en train de faire tout partout. Je vous reparle plus tard. On vient chercher Amanda. J'ai essayé les natives au de gars. Les deux, ça fait. Je suis vraiment contente d'avoir mesuré la pluie. Là, j'aurais pris tout un petit sac de Sweet 16. Je vais arrêter de rouler, là. J'ai pris un. C'est été tropical cone. C'est vraiment spécial le goût. La fille, elle me dit, t'es déjà goûté, c'est vraiment bon, la fille du couche-tard. Ça goûte? Genre, oh mon dieu. Il y a vraiment un petit surette au début. Puis après, c'est sucré. Ça goûte comme l'ananas. C'est bon, mais c'est spécial. Ah,